poser là? On va se poser là. Je vais mettre un petit coussin, voilà, pour pas être trop au froid sur le carrelage. J'aime pas les carrelages. C'est froid un carrelage, j'adore le parquet, j'adore les sols chauffants. Je suis pas très fan de carrelage. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler justement de ce que j'ai reçu tout à l'heure. Alors attendez, je vous monte un tout petit peu. Voilà. J'ai reçu, comme vous avez pu le voir, les palettes, une palette avec les oracles Liminality. C'est un oracle, si vous vous souvenez bien, si vous avez suivi le truc, mais ça remonte déjà à cet été, un projet de financement participatif via Kickstarter. Donc Kickstarter, c'est une plateforme américaine de financement participatif, c'est le Ulule américain en fait. Voilà, c'est un petit peu plus vieux qu'Ulule, c'est même plus vieux qu'Ulule. C'est là-dessus que j'avais créé mon premier jeu en 2014. Vous vous rendez compte, 2014, ça va faire 10 ans. J'en reviens pas. Donc c'était l'Oracle des Reflets. C'est un projet que j'avais créé. Bon, à l'époque, les financements participatifs en France n'existaient pas. On a une drôle de lumière. Je vais essayer de me décaler. Le financement participatif n'existait pas en France à l'époque. Donc j'étais partie de base sur Kickstarter. Et ça m'avait permis de créer mon tout premier jeu, donc ça avait été vraiment super, une très bonne expérience, hyper stressante, entendons-nous bien. De toute façon, quand on crée un jeu, il y a toujours des moments stressants, mais je me souviens avoir passé quelques petites nuits blanches, puisqu'à l'époque, créer son jeu, c'était vraiment pas quelque chose de courant, donc ça a été long un petit peu et fastidieux, et puis stressant justement de trouver le bon fournisseur, de trouver le bon imprimeur, puis de savoir comment Kickstarter marchait. Tout était en anglais, vous savez que je suis une vraie bille en anglais. Mais maintenant, j'ai l'habitude de cette plateforme, je trouve ça vraiment bien pratique. L'année 2023 a été une année un peu compliquée au niveau finance, je pense un peu comme tout le monde. J'ai eu beaucoup d'artistes, de créateurs, de potiers aussi, qui pourtant sont là depuis plusieurs années, qui ont fermé boutique parce que cette année a été vraiment compliquée. Et moi aussi, pour moi aussi, ça a été compliqué. Du coup, j'ai sorti cet oracle en financement participatif cet été. C'est un oracle coup de cœur pour les illustrations d'Amelia Leonard. Amelia Leonard, c'est une aquarelliste américaine. Je l'ai contactée au tout début quand j'ai créé ma maison d'édition, enfin quand j'ai switché, c'est-à-dire que j'étais plus juste moi, mais que j'ai vraiment voulu créer une maison d'édition avec les éditions Wild. Et elle m'a suivi tout de suite, c'était génial, on a passé de très très bons échanges par mail, on a beaucoup discuté du projet, on a fait beaucoup de choses en fait autour de ce projet-là. On l'a monté ensemble, moi j'ai fait toute la partie graphisme, je lui ai proposé des... Enfin, il y a eu un jeu en fait de ping-pong entre nous qui a été très agréable à faire. Et donc, c'est vraiment avec joie que je peux voir enfin la naissance de ce jeu. Il y a un petit côté, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a ce côté fierté de me dire, mais voilà, ces beaux dessins, ces belles illustrations sont là sous un format que moi j'adore, un oracle. Et c'est chouette, c'est vraiment pour ça que je m'étais lancée dans l'édition et plus simplement l'auto-édition. Bon, je sais aussi pourquoi j'en suis revenue, hein, parce que ça demande beaucoup trop de temps toute seule. Et vous voyez, normalement j'ai une personne qui m'aide, adorable, vraiment une perle, qui m'aide à faire les colis depuis un an. Et la vie changeant, elle va arrêter au mois de décembre. Enfin, elle va arrêter à la fin du mois de décembre. Donc il faut que je retrouve quelqu'un pour m'aider, mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que cette personne était vraiment adorable, parce qu'elle faisait du super bon boulot, parce qu'on s'entendait bien. C'est pas facile de faire confiance, en plus du coup on fait rentrer les gens dans son atelier, dans son univers. Il y a une certaine logistique quand même, hein, qu'il faut avoir aussi pour envoyer les colis, donc il y a un temps pour former les gens. Ça nous avait quand même bien pris 2 mois. Et ça m'a mis un gros coup au moral,
Mais je pense plus parce qu'aussi cette personne était devenue une amie en fait, hein, et qu'elle va me manquer. Voilà, j'ai ce petit problème de m'attacher aux gens avec qui je travaille. Enfin, c'est pas un problème, hein, parce que franchement, je préfère ça et passer des bons moments quand les gens sont là, et puis après, voilà, chacun vit sa vie. Plutôt que de me dire, ah non, j'ai pas envie de travailler avec cette personne, ah non, elle arrive encore et tout. Là, j'étais plutôt du genre, chouette, elle va venir aujourd'hui, c'est sympa, je vais pouvoir prendre des nouvelles, tout ça. Donc, bon, c'est comme ça. Toutefois, il faut quand même que je fasse les 350, 400 commandes, je sais plus exactement, pour envoyer les oracles. J'étais pas du tout sûre, les oracles Liminality, j'étais pas du tout sûre qu'ils arriveraient avant. Ah, mais on a vraiment une lumière de toute nulle, hein? Je vous prends sur les genoux. N'y voyez rien de. Ouais, mais là j'ai la lumière dans les yeux. Bon, c'est pas grave, on va y arriver comme ça. Qu'est-ce que je vous disais? Avec mes changements de plan et de lumière, j'en perds mon fil. Je vous parlais de l'oracle Liminality, et oui, j'étais pas du tout sûre en fait qu'ils arriveraient avant Noël, parce qu'on sait au niveau de la douane que c'est comme le mois d'août, le mois de décembre et le mois d'août pour la poste, pour la douane, pour tout ce genre de choses, ça peut très vite être compliqué. Voilà, mais là, ils arrivent tout pile. Je me dis que les gens en plus qui les ont commandés en France, alors pas à l'étranger, mais en France, vont peut-être pouvoir les avoir pour Noël, à mettre sous le sapin. Ce serait vraiment génial. Donc je me dépêche de faire ces commandes. J'espère que je vais pouvoir faire tout ça ce week-end, puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Ce week-end, on refait l'anniversaire de ma fille, puisque du coup, on avait prévu de faire ça la semaine dernière, et elle a été malade, donc on a tout repoussé d'une semaine et de 15 jours. On va le faire en deux fois, histoire de se rajouter un petit peu de complexité. Voilà. Donc, on va faire ça et puis j'espère vraiment trouver le temps de tout faire et de faire un petit tour quand même dans les marchés de Noël. Parce qu'alors, un mois de décembre sans marché de Noël, c'est juste pas possible. Mais je suis vraiment reboostée là. Je suis à bloc, je suis reboostée. Vraiment, ça m'a fait du bien ce petit voyage à Disney comme je vous en parlais. Ça m'a mis des paillettes, de la magie, de l'envie de faire plein de trucs. J'ai plein d'idées. Donc, il va falloir que je canalise tout ça, évidemment. Que je termine ce que j'ai commencé. Aussi, c'est une bonne chose, puis c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ce travail sur les plantes aussi dont je vous parle. Mais tout ça, on va en parler au mois de janvier. Si vous le voulez bien, on va déjà terminer tranquillement ce mois de décembre. On va pas se mettre la pression parce que franchement, ce serait trop dommage. On va faire les choses dans l'ordre, comme ça vient. On va se réserver des petits moments pour en profiter. Et puis je vous montre un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est chouette, on va se faire un. C'est chouette, on va pas se stresser. Non, non, pas en décembre. Thank you.
samedi matin, aujourd'hui c'est mission cadeau de Noël. On va aller à un petit marché artisanal, enfin en tout cas de ce que je m'en souviens de l'an dernier, c'était que de l'artisanat. Et puis on va aller faire quelques boutiques après, on va essayer de trouver des cadeaux. Il m'en manque pour ma sœur, il en manque un aussi pour notre petite pépette. Elle avait pas d'idée de cadeau de Noël. C'est que son anniversaire en fait est en début décembre. C'est vrai qu'elle a eu des idées pour son anniversaire et juste après, les idées sont pas venues. Donc, on va essayer de trouver une petite idée sympa. Et puis, il nous en manque pour qui d'autre? Il m'en manque pour Maxime. Mais Maxime, il est pas cadeau. Il aime pas avoir des choses, il aime faire des choses, il aime pas avoir des choses. Mais il aime pas trop non plus faire des choses. Enfin, faut le pousser, quoi, un petit peu pour ça. Donc, je sais pas, je vais fureter, je vais partir en quête. Et j'adore ça. Je suis super enthousiaste. J'adore ce petit marché de Noël qu'on fait chaque année. Il est vraiment très sympa. Il est dans l'ouest de Toulouse. Et puis c'est trop cool. J'aime beaucoup faire des cadeaux. J'aime autant faire des cadeaux qu'en recevoir. Soyons honnêtes. Donc c'est chouette. Allez, c'est parti! Bon, écoutez, ce week-end, après deux marchés de Noël, ça n'a pas été une franche réussite pour ma quête de cadeaux. Et j'ai pas réussi à trouver de cadeaux pour ma sœur. Hop, je ferme la porte, on arrive dans le bureau. Je vous ai fait traverser la maison avec moi. Et puis, on va se poser tranquillement. D'ailleurs, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'intrigue beaucoup. C'est cette pression qu'on se met au moment de Noël, pas spécialement pour trouver les cadeaux, mais il y a tout un tas de pression, tant au niveau des cadeaux, que de la nourriture, que les vacances, que les personnes que l'on doit voir. Nous, notre plus grosse pression, ça a été pendant très longtemps de devoir faire le dispatch de notre temps entre tous les gens divorcés. Ils sont tous divorcés, mon père et ma mère sont divorcés. Le père et la mère de Maxime sont divorcés. Son père ne s'entendait pas pendant un moment avec sa mère, ce qui fait que du coup, on ne pouvait pas voir sa grand-mère en même temps que son père.
ce qui nous rajoutait bah, quand on venait sur la zone où sont nos parents, et les siens et les miens, ils habitent dans la même zone, on devait dispatcher notre temps. On venait une semaine et en fait on avait une semaine, enfin un jour par personne ou un repas par personne pendant 7 jours. Autant vous dire que pour moi, avec ma maladie de Crohn, c'était un enfer. Vraiment. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de vous caler. Et puis on a eu deux, trois Noëls vraiment fastidieux. Et moi je me suis dit plus jamais ça. Noël, c'est trop important pour moi, personnellement. J'ai pas envie de ce genre de choses. Et je vois beaucoup en fait en ce moment sur les réseaux sociaux de personnes qui parlent du côté consumérisme de Noël, qui parlent de la pression qu'on se met à Noël. Et d'un certain côté, ok, je comprends. D'un autre côté, Noël, c'est aussi ce que vous en faites. Et ça me travaille un petit peu dans le sens où j'ai l'impression qu'on se met une sorte d'obligation là où il n'y en a pas. Un petit peu comme tout. Et c'est simplement une question de savoir reconnaître ses besoins et ses envies et d'arriver à les assumer. En fait, c'est plus une question de est-ce que j'assume ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je me mets la pression pour coller à l'image que l'on veut. Noël, c'est très symptomatique en fait de la vie. En fait, on a une copie conforme de ce qu'on vit en fait quotidiennement. Et c'est un petit peu la façon dont on va le prendre, dont on va le regarder, qui va être important et qui va déterminer si ça va bien se passer ou si ça va mal se passer aussi. Ou si on se met la pression plutôt parce que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Ça, on n'a pas le choix. Ça dépend pas que de nous. Mais de cette pression qu'on va se mettre, ça, par contre, c'est quelque chose qui est assez inhérent à notre façon de le vivre et de le prendre. Je vous donne un exemple vraiment concret. Qui me touche personnellement puisque ma fille est née début décembre. Elle est née début décembre et 3 ans plus tard, jour pour jour, mon papa est décédé le jour de son anniversaire, le jour de ses 3 ans. Cette journée, ça m'a vraiment marquée de par la date évidemment, mais on sait tous qu'il y a des dates comme ça dans nos vies qui sont... On se dit, mais c'est pas possible que ça tombe ce jour-là, que les événements se passent à ces dates-là. On a tous des dates clés dans nos vies. Et c'est là, pour le coup, il y a vraiment la jonction entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur, la tristesse et la joie. Et c'est une journée, je me suis dit, jamais je ne veux pas gâcher le plus beau jour de ma vie, parce que pour moi, vraiment, la naissance de ma fille, ça a été... Le jour le plus heureux de ma vie et une émotion que j'avais encore pratiquement jamais ressentie, enfin vraiment quelque chose de très puissant. Et du coup, je ne veux pas gâcher ce moment-là et je me suis toujours dit dans ma tête, ce jour-là, quoi qu'il arrive, c'est un jour qui restera joyeux pour moi. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, je prends Noël un petit peu de la même façon, puisque évidemment, bah, Noël, il y a eu des Noëls difficiles, il y a eu des Noëls tristes, bah, ce fameux Noël, hein, quelques jours après, où il a fallu fêter Noël, autant vous dire que c'était pas non plus très joyeux. Mais je veux pas, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment besoin, en fait, d'avoir un moment dans mon année qui soit un peu dédié à la joie, dédié au bonheur, où je fais les choses un petit peu différemment aussi, en fait. Ça casse mon... Noël, c'est une façon aussi pour moi de casser mon quotidien et du coup, remettre des couleurs différentes, des couleurs plus chaudes dans mon intérieur, décorer ma maison de façon différente, c'est aussi un moyen de casser mon quotidien, c'est aussi un moyen d'apporter du bonheur dans ces moments un petit peu plus difficiles de l'année. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me conditionne et qui, intérieurement, dans mon petit cerveau qui mouline, me dit que non, j'ai vraiment envie que cette période reste festive, que cette période soit une période un peu clé pour moi, où je mets de la musique que j'aime, où je m'autorise à manger certaines choses, où voilà, il y a cette notion en fait de briser un petit peu le quotidien, de se conditionner un peu dans un moment de joie. Et pour ça aussi, c'est vrai qu'il faut arriver des fois aussi à assumer de dire non
à ce que l'on attend de nous. Si j'ai envie de faire Noël à ma maison, je fais Noël dans ma maison, je ne vais pas aller me disperser à droite, à gauche et faire des repas de famille qui finalement me rendront pas bien pour faire plaisir à autrui. J'ai pas envie de ça. Si j'ai envie le matin de me réveiller en mettant de la musique de Michael Bublé, et ben je le fais. Voilà, c'est quelque chose que je maintenant, avec le temps, avec l'âge, je m'autorise à faire. On parle aussi souvent de oui, mais on est une petite famille, voire on n'a pas de famille, on n'a pas de personne avec qui fêter Noël, donc je le fête pas et tout. C'est la même chose, c'est exactement ce que je vous dis juste avant, ça dépend comment on le voit. Est-ce qu'on prend Noël vraiment dans le cas, oui, ben, on s'offre des cadeaux, ou est-ce qu'on le prend pour un peu casser la routine, voir des choses différentes, se faire un cadeau à soi-même? C'est tout bête, mais en fait, moi, pour Noël, je me fais toujours un cadeau à moi-même. Je me dis, oh ben, tiens, mais qu'est-ce que je vais m'offrir à Noël? C'est quelque chose qu'on peut faire en solitaire. Et puis, personne ne nous oblige à faire des calendriers de l'Avent. Vous en faites si vous en voulez. Il y a tout un tas de façons de faire. J'ai une amie qui a deux jeunes enfants en bas âge et elle leur offre pas des chocolats, elle leur offre pas des cadeaux. Elle leur offre une petite activité à faire. Mais ça peut être un coloriage du Père Noël. Ça peut être, si elle a un petit peu plus de temps, elle peut faire un petit peu de pâte à sel avec elle. C'est simplement une manière de marquer le coup jusqu'à Noël. Et ça ne veut pas forcément dire du tout d'entrer dans le consumérisme, en fait. On a aussi cette idée de se mettre la pression pour faire les cadeaux. Il n'y a pas vraiment à avoir de pression pour se faire des cadeaux. En fait, il y a la pression qu'on se met, qu'on veut bien se mettre. Mais si cette année, on a envie de faire de la pâtisserie pour tout le monde et d'offrir des cadeaux, ben, ça fonctionne aussi très bien de faire ses propres gâteaux. Quand j'étais étudiante et que j'avais pas d'argent, ben, en fait, j'ai fait des gâteaux pour tout le monde. Voilà, et je trouvais des petits cadeaux qui étaient en promotion ou que j'avais chiné dans des brocantes au fur et à mesure de l'année. Et peu importe en fait, parce que je trouve que vraiment, Noël, c'est plus un état d'esprit dans lequel on va être ou du partage, ou peu importe en fait, vous mettez vraiment ce que vous voulez derrière, mais il n'y a aucune obligation qu'on se met pour acheter des choses. Tout comme inviter les gens à un repas, ça ne veut pas dire que vous devez vous casser la tête à faire 4 heures de cuisine. Vous pouvez très bien dire à chacun d'apporter quelque chose et puis c'est un moment de partage. À la base, c'est censé être ça en plus, un moment de partage. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de stress à se mettre. C'est simplement assumer de le vivre à votre façon, de la façon dont vous avez envie de le vivre. Et puis voilà quoi. Voilà. Je me suis fait une petite infusion dans le joli mug de Caro Frambourg-Land.